Voilà, on va laisser les cascades tranquilles. On refera un petit passage au retour. Quand on dit que la pollution, il y en a partout, c'est bien une preuve. C'est bien dommage. Juste, on n'arrive jamais à compter jusqu'à 20 sans voir un bout de plastique. 1 ici, 2, 3, 4, et encore un ici. C'est bien triste quand même. Hein. La lévitation existe aussi sur Vouglans. En témoigne cette racine. Alors, il y a un silence incroyable aujourd'hui. C'est assez rare pour être souligné, mais il y a plein de débris qui flottent aujourd'hui sur le lac. Et le soleil, eh ben, il a tendance à rester caché aujourd'hui. On vient de voir moucher, frayer des poissons. C'est la première fois d'ailleurs depuis le début d'année qu'on en voit se manifester. Bon alors, récupération d'un objet qui flotte, non mais qui flotte, mais encore un déchet. Alors en direct, la récupération d'un déchet. Oh putain, mais c'est plein. Elle est pleine, ouais, mais elle est pleine d'eau. Non, regarde, elle n'est pas décapsulée. Yes! Alors, regardez bien, fais montrer. C'est typique, le lac de Vouglans nous remercie aujourd'hui. Vous voyez, on le dépollue et il nous offre une canette de bière. Moi, je dis ça, bravo. Merci, mon beau lac de Vouglans. Une autre image du lac qui est chargé en détritus en ce moment. Enfin, c'est du détritus. C'est du bois, hein. Mais on a ramassé quand même pas mal de polystyrène. On voit qu'il y a énormément de bois sur les berges. Le spectacle des racines, toujours le même. Les pauvres. Ah ouais. C'est beau. Nouvelle vision du lac, toujours chargé en déchets. On dirait qu'il y a eu, oui, on dirait qu'il y a une tempête en fait, mais je pense que c'est peut-être lié aux tempêtes hein, la dernière fois. Hein. Ouais, ouais, ça doit être lié au coup de vent qu'il y a eu, hein, c'est sûr. Voilà, nous sommes bien en bordure de l'océan. Un arbre en plein milieu du lac. De cric en cric. Énormément de déchets bois. Ça, c'est lié aux tempêtes. Hein. Dernière tempête qu'il y a eu. Dernier coup de vent. Qu'est-ce que tu as vu? Un plastique. Ah, un bouchon de pêcheur. Tiens, à l'instant. Allez, on le récupère. Voilà. On a trouvé encore un joli petit leurre. Oh, il est bien coloré celui-là. Je crois qu'on en avait pas des comme ça. Trop beau. Il y a encore un déchet là-bas, oui. Voilà, on vient de récupérer un leurre et un déchet plastique. Et là, on retrouve une petite cascade qui alimente le lac. Ouais, c'est la fin. Waouh! C'est beau là. C'est beau. Hein. Pour une fois, c'est monsieur qui rame. Oui, c'est voilà. Moi qui filme. Voilà. Et c'est moi qui filme. Eh oui, tout à fait. Là, ça aurait été dommage quand même de rater cette prise de vue. Le soleil fait son apparition.
Toujours énormément de bois sur les rives du lac. On a récupéré beaucoup de polystyrène aujourd'hui. Et le soleil fait bien son apparition, ça y est, enfin. Il est midi 5. Encore un déchet de récupérer, un instant. Bon alors, à mi-chemin, on va s'arrêter pour un petit casse-croûte, notre petit leurre de tout à l'heure, et puis les déchets qu'on a trouvés ce matin sur le lac. Des herbes de pampa, non? Oui, oui. C'est des roseaux. Hein. C'est des roseaux, ouais. Une pierre? Ah, un gros polystyrène encore qui flotte, voilà. Chaque fois qu'on fait une prise de vue, on voit des déchets. Tu vas pouvoir le prendre? Oh là. Ça, c'est de la pêche. Ça, c'est de la pêche. Oui, d'ailleurs, du poisson caché là-dessous. Et puis, c'est bien qu'on a un serpent aussi. Ouais. Là, ils doivent se plaire. On est bien au soleil. Regardez tous ces bois qu'il y a là. Voilà, on arrive bientôt au port du Gringalet. Toujours un petit vent de sud qui est soutenu. Léger quand même, mais soutenu. Voilà, le soleil est un petit peu avec nous. On arrive dans la reculée du port du Gringalet. Et on va faire demi-tour aujourd'hui. Parce que, ouais, c'est tout au fond, le port du Gringalet, là-bas, exactement. Et là derrière, il y a l'argillier. Derrière les sapins. Et là, le vent du sud s'est levé, c'est pour ça qu'on va faire demi-tour. Voilà, on a fait demi-tour, on traverse le lac, porté par le vent. Elle s'attaque. Voilà le lac aujourd'hui. Ce beau plan d'eau. C'est joli, on dirait des cheveux qui ont poussé sur les arbres, sur les brindilles. CO2. Alors on trouve de tout dans le lac de Vouglan, y compris un extincteur CO2. On va faire hyper gaffe parce que c'est des équipements sous pression. Il faut surtout pas taper le robinet. Hein. Bon, simplement, nous revenons dans une petite balade. Donc, pont de poids direction le Gringalet, aller-retour. On a trouvé pas mal de déchets, des tongs, des leurres, du polystyrène, un extincteur CO2, un équipement sous pression qui est plus en pression bien sûr, et puis pas mal d'autres choses.
Bouteilles, des bouteilles et une bouteille de bière donc qui est fermée qu'on va se boire ce soir. C'est une petite canette hein, donc elle est encore capsulée tout ça. Donc on va la boire ce soir. Elle sera offerte par le lac de Vouglans en remerciement de la collecte des déchets que nous avons faite.